dans l'actualité des idées aujourd'hui, se retirer du monde pour mieux lui résister, inviter l'historien Philippe Artier, directeur de recherche du CNRS, spécialiste de Michel Foucault, de l'écriture aux archives. Il réinvente les usages et explore des mondes en rapprochant manuscrits, coupures de presse ou encore rapports publics, en mêlant fiction et réel, en jouant avec le vrai du faux. Alors qu'une grande marche pour le climat a lieu aujourd'hui à Madrid, mais aussi à Santiago du Chili, que la mobilisation pour les retraites en France ne faiblit pas, vivre à la marge, vivre reclus, se retirer du monde comme on le disait pour mieux lui résister. Est-ce une solution Est-ce qu'elle met à bas nos idéaux collectifs Dans un livre enquête intitulé Le dossier sauvage et publié chez Vertical, l'historien revient sur ses vies d'ermite et questionne aussi à travers elle notre rapport à la marge, à la marginalité entre attirance et répulsion. Bonjour Philippe Artière. Bonjour. Des archives parlant de ses vies sauvages, c'est le titre donc presque, le dossier sauvages de votre livre, des personnes ordinaires qui se seraient retirées du monde, des ermites, des hommes vivants dans les bois. C'est un bien étrange territoire sur lequel vous vous êtes aventuré. Comment vous êtes-vous retrouvé là Oh, je me suis retrouvé là à force de fréquenter euh, les archives et, et notamment euh, toute une littérature euh, qui est une littérature très importante au XIXe siècle, euh, médico-psychologique, on pourrait dire, ou anthropologique, euh, qui euh, prenait trace, euh, gardait euh, mémoire euh, d'un certain nombre de, de comportements. Et euh, parmi ces nombreux comportements dont Foucault... Euh, disait qu'ils euh, étaient euh, finalement euh, marqués du sceau de l'anormalité, eh bien, euh, il y a euh, ces ermites qui sont des ermites euh, laïques, qui sont des ermites euh, qui ne croient qu'à une seule chose, c'est euh, à la nature. Alors, est-ce qu'on est totalement laïque quand on croit aussi fortement euh, en la nature aussi alors, c'est une des grandes questions qui est, qui est, qui, que se posent ces médecins, hein, ces médecins qui, euh, qui sont alertés euh, par des voisins, euh, c'est de savoir si euh, ces, ces individus qui entrent au bois, hein, comme on entre au, au couvent, comme on, on entre aux archives aussi, mais euh, sont euh, euh, des adeptes de Rousseau euh, ou bien des fous. Ou bien encore euh, des sujets qui inventent euh, une autre forme de vie. Et euh, c'est ce qui m'a intéressé en tout cas. Ce n'est pas la première fois que vous, euh, Philippe Arthia, vous travaillez sur les marges. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont de particulière, de singulière, ces vies sauvages, à vos yeux Alors ces vies sauvages, pour, euh, pour simplement les caractériser un tout petit peu, ces vies sauvages, c'est par exemple euh, Laurent, en 1865, on découvre. Euh, au-dessus de hier dans un dans, une, dans les forêts hein, de pins euh, qui vit là euh, et qui cultive les produits de son corps euh, dans une hutte et depuis 16 ans euh, il était du Dauphinois et il, est, euh, il, a, quitté, euh, il a quitté les montagnes euh, pour aller euh, dans ces forêts euh, méridionales euh, qu -ce qu'est-ce qu que, qu qu que ça renseigne qu qu'est-ce qu que ça dit euh, euh, probablement euh, euh, ça dit quelque chose d'une part euh, dans le regard. Ça Foucault euh, nous l'a bien enseigné. Euh, regarder la manière dont on regarde les marges, c'est finalement euh, nous renseigner sur nous-mêmes. Euh, mais ce n'est pas euh, seulement ça qui, qui me semble intéressant, c'est que dans, ces, dans, ces, euh, dans cette observation des marges euh, apparaît, euh, disons, surgit un discours et un discours, euh, qui fait, euh, euh, un discours qui fait désordre, un discours qui produit euh, de l'événement, un discours qui rompt au fond euh, un, le cours des choses. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant, parce que euh, ce personnage de Laurent, par exemple, euh, va devenir un personnage de fiction. On va le retrouver euh, aussi dans des pièces de théâtre, on va le retrouver dans la presse, comme une sorte de figure euh, euh, qui regarde sans cesse euh, la société. Voilà, se dire que tous ces personnages, ces ermites, ces moines, ces missionnaires, sont des excentriques euh, ou des fous, ce serait limiter d'ores et déjà beaucoup trop notre regard. En tout cas, pas euh, le, le questionner, parce qu'ils ont choisi quand même de vivre. Euh, euh, loin de la norme différemment à leur manière aussi il y a, il y a, il y a du Rousseau un peu hein, dans, dans cette démarche qu'il pratique et c'est peut-être ça qui les réunit euh, cette idée de l'homme naturel de l'homme qui n'est pas ou, ou qui ne veut pas être perverti euh, abîmé par la société hein, qui l'entoure oui alors c'est cette, cette idée de, de Rousseau et de perversion hein, de par, par, la, par la société par la technologie beaucoup on est à la fois les, les différents cas qui sont dans ce dossier, sont des cas qui, qui concernent le 19e, mais aussi les années 1970, on y reviendra je pense, mais aussi la fin du, du, du 19e, donc des, des moments assez charnières quant à, quant à notre rapport à, 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 la, à, la, à la technologie. Ça c'est je crois très frappant pour les caractériser. L'autre point qui est euh, absolument essentiel et qui est très déroutant, euh, c'est euh, le choix de la solitude. Parce qu'au fond, euh, ils, partent, euh, seul, ils partent tout seuls. Ils partent tout seuls dans euh, ce lieu euh, qui est, dans nos imaginaires, absolument euh, lié quand même à, à l'inquiétude, à la peur. La forêt, c'est l'endroit où on se perd. Et ça, je, je trouve que c'est euh, une des dimensions, euh, en tout cas moi, qui m'a beaucoup euh, euh, intéressé. Euh, euh, ce n'est pas partir sur une île, ce n'est pas partir, non, c'est partir à l'intérieur, euh, à l'intérieur même de, euh, de, disons, du continent, dans l'endroit le plus obscur. Alors on a trouvé un contemporain de vos ermites, un jeune ermite suisse, Kim Paché, qui a choisi de tout quitter pour partir vivre dans le grand nord canadien sans rien, pour retourner, dit-il, aux origines de l'homme. Il va du coup adopter les techniques de, de la vie primitive pour survivre au plus près de la nature. Il témoignait face caméra devant dans un documentaire qui lui était consacré, Yukon, la quête sauvage. Je peux réussir toutes ces techniques, je peux vivre un an dans la nature, j'aurais rien prouvé de rien du tout. Parce qu'en fait, un humain seul dans la nature ne vit pas tout tarifé que survivre. C'est ça, finalement, ma petite révolution dans ce qui me semblait si bien ficelé. C'est que j'ai découvert que ce qui fait la vie des humains sur ces planètes, c'est l'organisation humaine, culturelle, c'est cette foison, cette richesse de de liens, de, de partage humain. Et c'est une grande révélation pour moi, parce qu'en fait pendant presque dix ans, j'ai couru après, euh, après euh, la technique, la technologie, qu'elle soit primitive ou pas, mais aujourd'hui je... Ouais, je me rends compte qu'il y, y a un autre monde qui est encore plus vaste derrière tout ça. Voilà, être chasseur-cueilleur au XXIe siècle, le XXIe siècle, seul en tout cas, dans le Grand Nord canadien, il a mené cette aventure, il a expérimenté, et puis il en est revenu quand même un peu. Euh, la raison est intéressante. Euh, Est-ce que c'est ça, être humain Vous, c'est aussi à travers ses parcours, ses portraits, la nature humaine que vous aviez envie d'interroger, ce qui fait l'homme, dans euh... sa solitude ou son collectif. Oui, mais cette, cette voix de, de, ce, de ce jeune homme, elle, elle n'est pas euh, solitaire. En ce sens que euh, ça participe d'un mouvement, euh, d'un mouvement actuel très fort. Euh, on estime euh, à près de, euh, je crois, 500 000 personnes sur le continent américain qui, ont, qui sont parties dans la forêt. Alors, pas forcément seules, mais c'est euh, absolument euh, colossal comme, euh, comme mouvement. Par ailleurs, euh, euh, ce, euh, cette, ce, ce, ce désir de. D'aller comme ça euh, au, au loin, on voit bien qu'il bute à un moment donné euh, sur le sur euh, là, dans, dans ce cas-là, sur au fond euh, la question de la solitude. Euh, ce qu'il recherche, c'est euh, la communauté, euh, et, et, et ça, et ça c'est important. Je crois que c'est une des dimensions qui est très forte dans ce qu'on appelle l'anarchisme privitimiste. Qui est un vrai mouvement. J'ai découvert en fait au fur et à mesure euh, des rencontres autour du livre que je ne connaissais pas euh, comme ça et qui est très nourri euh, euh, par des auteurs euh, par contre que je connaissais comme Jacques Ellul, euh, Illich et d'autres. Mais euh, cette euh, cette, euh, cette, euh, cette ces communautés euh, au loin euh, en rupture, euh, je crois qu'elles ont beaucoup à voir avec euh, avec notre avec notre présent. Et c'est vrai qu'elles sont souvent très déroutantes pour une génération comme la mienne qui a été, disons, qui a grandi dans le collectif urbain. Oui, il y a un télescopage avec l'actualité. Hein. Il est d'autant plus présent qu'on entend beaucoup aujourd'hui les discours des, des collapsologues, des néo euh, engendrés par la crise climatique, environnementale, qui cherchent à fuir, qui pensent des solutions de repli face à cette peur du grand effondrement. Euh, Ils s'inspirent aussi de ces, de ces vies sauvages pour vous alors je ne sais pas s'il s'en si, si inspire parce que, euh, parce que je crois que un des, un des éléments euh, enfin, des résultats vous, du dossier ouais. en tout cas c'est quand même qu'il y a une histoire. Euh, et que euh, ce que fait euh, Laurent, euh, le sauvage du Var, en, en, au XIXe siècle, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce que fait euh, Théodore, euh, malgré tout, euh, Kapuscinski euh, en, 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 en 1970. Donc euh, là, il euh, euh, y a pas quelque chose. la même chose. histoire. Non, c'est pas la même histoire, euh, mais le, le lieu est le même. Et c'est ça qui m'intéressait, qui, qui c'est-à-dire comment des lieux peuvent produire des imaginaires différents. Euh... Alors justement, dites-nous un peu quels sont les différents types de retraites pour ces ermites, ces, ces, ces vies sauvages que vous avez analysées dans les oh, archives y a des, Dans, dans, dans ces, ces, ces modes de vie, il y a d'abord un mode de vie d'autonomie. Ça, c'est permanent, euh, d'autonomie. Alors, euh, dans des forêts plus ou moins, euh, plus ou moins cultivées. Puisque le sauvage du Var, par exemple, on l'oublie, mais la forêt au XIXe siècle, c'est une forêt beaucoup plus euh, euh, enfin, extrêmement pratiquée, euh, très, euh, très habitée. Euh, donc en somme, il est seul, mais euh, dans une communauté de forestiers, dans un rapport euh, qu'ils entretiennent tous à la nature. Euh, tandis que euh, euh, dans les années 70, il y a quand même cette idée euh, euh, d'être dans l'isolement, d'être... Euh, en, en, d'être euh, coupé du monde, y compris, euh, y compris de euh, tout ce qui pourrait intervenir. Le sauvage du Var lit la presse, on lui montre des un, un, écrits. Les, les, les survivalistes ne se soucient pas de ce qui est énoncé sur eux. Et ça, c'est quand même une très grosse, très grosse différence. Et par ailleurs, dans ces, ces modes de vie, il y a au milieu une sorte de figure qui est, euh, est cet ermite euh, cet ermite assassiné euh, par euh, Ravachol euh, au, et, et à la fin du, du 19e ermite des monts du Forez qui est lui un ermite un peu, un peu miraculeux c'est-à-dire c'est l'ermite qu'on va voir pour euh, euh, pour avoir des solutions sur le monde et donc il produit des formes de discours euh, C'est là, euh, comment dire, un sage. Euh, ce qui ne me semble pas être tout à fait euh, euh, ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Euh. En fait, ils ne sont pas totalement euh, coupés du monde. En tout cas, ils, ils sont quand même loin, racontez-vous aussi dans ce livre, du temps des communautés, hein, comme ça a pu être le cas. Euh, quand mai 68 est passé par là, on va écouter des témoignages de ceux qui sont partis dans la suite de ce mouvement en Ardèche, s'installer là-bas pour quitter la ville, quitter leur vie de petit bourgeois. Au début, on est arrivé ici, on s'est dit on va faire notre, notre petite vie à nous, nous tous les sept là. Et en fait, à euh, bah, posteriori, on, on se dit que si on avait été vraiment tout seul dans ce cas, bah, je pense qu'on ne serait pas resté quoi socialement, euh, ça, aurait été, ça aurait été un peu pauvre, quoi. Et donc, c'est le fait qu'il y, y en avait plein partout autour qui faisaient comme nous. On a pu avoir une vie sociale un peu... Alors bon, en même temps, c'était très varié. Il y avait des filles de bourgeois, des filles d'ouvriers, il y avait, de... <laughs> il y avait de tout, quoi. En 68, tout à coup, c'était plus possible de vivre comme on vivait avant. C'était plus possible. En plus, moi, j'étais dans une famille bourgeoise euh, riche et je supportais pas le, les relations qu'on était obligé d'avoir avec les autres de, de par le fait de, notre, de mon origine familiale. Je trouvais ça complètement injuste et la justice a toujours été quelque chose qui m'a toujours été très cher à mon cœur. Alors là, il y avait bien euh, retraite, le choix de ces hameaux abandonnés euh, en Ardèche, mais quand même recherche, quête d'une communauté euh, pour ces 68 arts. Euh, la nature, cette nature-là, euh, elle ressemble à celle que vous avez côtoyée, vous, avec ces, ces communautés post-68, des expériences rurales que vous avez pu connaître euh, plus tôt, enfant. Oui, enfin, j'ai pas connu d'expérience euh, communautaire, J'ai pas fait partie de ces, de ces enfants qui ont été élevés dans des, des communautés comme certains. Mais des... vous êtes passé par les causes. Euh, mais, mais de, de fait, l'histoire euh, du Larzac est là, évidemment, très, euh, très sensible dans, dans, ce, euh, dans ce qui, est, ce qui vient d'être entend, entendu. Euh, cette idée aussi euh, d'un lieu qu'on vient occuper, mais collectivement. Alors, ce sont des petites communautés, mais ce sont des communautés... Euh, euh, d'abord avec Landa del Vasto et un certain nombre qui, qui viennent dès les années euh, 60. Hein. Euh, donc il y, y, y a quand même cette, cette idée que euh, euh, bon c est, c est, ces communautés elles sont euh, des communautés de euh, retrait. Euh, ce ne sont pas des communautés euh, alors il y a des formes de résistance. Il hein, sur le Larzac il y aura des refus de payer l'impôt. Euh, donc, elles s'inscrivent dans des mouvements antimilitaristes, de payer les 3%, qui seront effectivement. Euh, enfin, les gens renverront leur, 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 leur déclaration. Euh, mais. Euh, ce qui me semble très différent euh, de communauté aujourd'hui, euh, dans euh, ce que je cite parce que ça, ça me vient comme au visage, euh, euh, c'est les, les zones à défendre, hein, euh, ces fameuses zones. À, zones. Alors d'imaginaire, euh, zones naturelles à défendre. Euh, en tout cas, il euh, y a quelque chose aussi d'une forme de euh, résistance très forte. Mais pas forcément, d'ailleurs, euh, parce qu'elle est menacée. C'est l'idée même de prévenir cela. Et donc c'est peut-être ça qui, qui, est, qui est intéressant dans, euh, dans, ces, dans ces dossiers, dans ces vies, parce que ce sont des vies. Ce sont des, ce sont, euh, ce sont des vies. Ce n'est pas simplement partir euh, un an ou même partir quelques mois ou partir l'été. Non, c'est euh, tout, qui, tout, tout quitter. Euh, et donc il y, y a quand même dans, cette, euh, dans ces, ces gestes là euh, une, une volonté euh, d'écrire autrement son existence voire de la construire autrement mmh. et... sur ces communautés post-68 vous dites que ces vies en marge étaient devenues presque des produits régionaux oui parce que je m'intéresse beaucoup en ce moment à l'histoire du Larzac et euh, dans l'histoire du, du Larzac euh, de fait euh, les, euh, on allait voir les hippies quoi quand on allait en Aveyron, on montait sur le Causse voir les hippies. C'était des puis, curiosités euh, locales. Voilà, c'était des, des formes de curiosités locales euh, et dont euh, je ne minore absolument pas euh, euh, l'action, puisqu'elles ont réussi, euh, certaines, à. Euh, à, un, à, comme on dit aujourd'hui, euh, tisser euh, véritablement euh, communauté et faire euh, un développement économique euh, fort, qui n'était pas d'ailleurs sans lien avec, euh, avec, euh, avec euh, la technologie, voire l'industrie, puisque, euh, en l'occurrence, pour le, pour le Larzac, le Roquefort a joué un rôle euh, essentiel, mais euh, tout ça est très est très loin de de, de, de Laurent et de, de son la production de ses euh, la récolte hein, de des produits de son corps puisque là on est dans un minimalisme quasiment euh, je dirais artistique. Oui, il était dans une assise volontaire aussi euh, Laurent Lazaret, euh, ce sauvage du Var. On le voit aussi à travers lui qu'il y a plusieurs raisons ou manières de fuir. Hein. On peut fuir pour se retrouver. Fuir pour se sauver ou fuir pour se résister, pour résister. Le concernant, vous seriez plutôt sur cette idée de résistance au monde De résistance, et, euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu euh, mettre euh, ce dossier sous le signe de Foucault, euh, d'une forme d'esthétique de l'existence. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que fait euh, Laurent, euh, c'est une. Alors. Euh, Aujourd'hui, euh, d'aucuns diraient une performance. C'est pas, c'est plus qu'une performance. C'est, c'est mettre sa vie, euh, euh, c'est construire sa vie comme une nuit, comme une œuvre d'art. Mais on sent que chez Laurent vous retrouvez une, une forme de tendresse euh, que vous aviez déjà ressentie pour euh, un autre personnage que vous avez croisé euh, enfant, qui s'appelait Jean, qui habitait dans la forêt des Vosges, où, où il veillait sur les arbres. Il faisait lui partie euh, du peuple des forêts tel que vous le racontez. Pourquoi cette cette tendresse pour ce personnage-là Est-ce qu'il y avait de lui une sorte de force de vérité, un refus de transiger aussi qui semblait émaner, qui vous a touché à ce moment-là Oui, alors le, bon, la forêt, c'est aussi l'enfance, hein, c'est une des, des dimensions du livre, c'est-à-dire comment, et je crois que dans cette quête aussi de, de partir en forêt, il y a ça, c'est comment retrouver aussi des formes d'enfance. Et dans ce, cette figure... Euh, étrange parce que euh, vivant euh, seul dans cette euh, au milieu de la de la forêt euh, avec ce corps qui était un corps euh, pour moi euh, euh, disons euh, euh, abîmé euh, qui ne prenait pas soin de lui euh, et nous enfants qui avions euh, qu'on baignait tous les soirs pour qu'on n'ait pas de tiques euh, qu'on bon, qu 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 protégeait qu'on surprotégeait dans cette dans cette forêt euh, c'est vrai qu'il y avait une, une véritable attirance, euh, aussi une fascination euh, très, très, très grande pour celui qui, euh, qui connaissait euh, la forêt, euh, qui euh, avait fait de la forêt euh, son lieu de vie. Euh, et, et, et ça, c'était, euh, je crois, euh, comment dire C'était quelque chose de. Euh, Il y avait, y avait dans ce personnage, dans cet homme, euh, une, une, un, une offre de fiction aussi, de rêve. Et ça, c'est euh, très précieux. Voilà, et ça rappelle ce que vous évoquiez avec ce télescopage pour vous avec, euh, avec euh, aujourd'hui, ces aides, ces zones à défendre qui sont d'abord à vos yeux sans doute des imaginaires à défendre. Et la fiction, elle est remplie de personnages qui ont choisi de vivre à la lisière du monde, hein. de l'ancêtre vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier à, à Walden ou la vie dans les bois de Thoreau jusqu'à Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie, son carnet d'hermitage rédigé dans une cabane près du lac Baïka. On peut aller aussi du côté du cinéma, avec Jeremiah Johnson en 72, de Sidney Pollack, avec Robert Redford, ou euh, plus ludique, du côté du Sauvage de Jean-Paul Rapneau, de Seul au Monde de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks, de Captain Fantastic sorti récemment, de Matros avec Vigo Mortensen, où il embarque toute sa famille dans les montagnes pour sortir de la société, de Vie Sauvage de Cédric Kahn avec Mathieu Kassovitz ou encore de Into the Wild de Sean Penn. Tout ce que la mer a à offrir, ce sont ces grosses bourrasques. Et de temps en temps, une sensation de puissance. Il est vrai que je connais pas grand-chose à la mer. Mais ici en tout cas c'est comme ça. Et je sais aussi que dans la vie, le plus important, ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois de se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque. D'affronter seule la nature aveugle et sourde, sans rien pour vous aider, si ce n'est vos mains et votre tête. Voilà, comment ont-ils alimenté les imaginaires Parce qu'on le voit avec... Euh... Tous, tous, tous vos sauvages aussi, Philippe Artière, ils ont tous à leur manière orchestré ce besoin, quand même, de fuir la civilisation, de se rapprocher de la, de la nature. Hein. Toutes ces fictions ont nourri nos imaginaires. Elles ont, elles ont, oui, elles ont, elles ont nourri nos, nos imaginaires. Elles ont aussi euh, euh, largement, enfin, euh, enfin, elle est intervenu euh, de manière forte aussi sur euh, nos manières de, pas seulement euh, d'imaginer le monde, mais aussi de le vivre. Euh, parce que euh, euh, bon, les, les figures que j'évoque dans, dans le livre sont des figures qui euh, viennent taper à la porte aussi à un moment donné, qui sortent euh, de la forêt. Euh, pas taper à la porte comme Victor de l'Aveyron euh, vient taper à la porte ou comme... Euh, ou comme euh, Kaspar Hauser un, un sort, de, sort de, de, sa, de, sa, de sa grotte. Ou de sa... Mais euh, ils viennent et ils portent, et c'est ça qui m'a intéressé, ils portent un discours. Ils écrivent quelque chose, ils disent quelque chose. Euh, Laurent, Laurent Lazare, euh, je l'ai retrouvé euh, dans la presse et par l'annonce simplement de conférences qu'il donne sur sa vie. Dans la forêt, sur sa vie sauvage. Euh, Théodore, lui, va écrire beaucoup de manifestes. On a d'autres cas, euh, euh, d'ailleurs, des, des cas euh, euh, comme ce mathématicien montpelliérain qui, qui, qui part euh, non pas dans la forêt, mais euh, dans la montagne, et qui, euh, dont on retrouve les archives et dont on ne sait pas bien si ce sont des archives scientifiques ou des archives euh, ou des archives de euh, une autobiographie, enfin, qu'est-ce que c'est que ce, ce grand manifeste, ce texte euh, de plusieurs milliers de pages euh, Bon, est-ce que c'est un délire Est-ce que c'est... Euh, non, euh, peut-être une... Alors, euh, une marque d'existence vous interrogez on le disait pardon Philippe partir aussi euh, notre regard sur euh, ces vies sauvages euh, pourquoi au fond et on l'a vu euh, puisque vous parliez de ZAD de zone à défendre d'imaginaire mais c'est le cas aussi avec Notre-Dame des Landes euh, en ce moment euh, en France euh, pourquoi est-ce qu'on plus ou si peu les, les marges, ces existences qu'on choisit de se mettre aussi en communauté ou de manière solitaire en retrait. Pourquoi D'un côté, elles suscitent l'admiration par les réflexes primitifs qu'elles appellent et en même temps une sorte de peur, de gêne, voire de répulsion n'ai pas, pas, pas de réponse. Ce que je, historiquement, ce qu'on peut en tout cas constater en, entre le 19e et, et le 21e siècle, c'est qu'au 19e siècle, c'était très courant et la, et la littérature, je pense notamment à Tchékov et à d'autres, euh, l'évoque largement. On partait euh, chaque été hein, en villégiature et on s'isolait du monde. C'était quand même des, des, des formes d'isolement, alors très socialisées mais, euh, mais néanmoins, il euh, y avait cette, euh, cette, euh, disons, euh, ce départ, ce départ euh, annuel où on partait et puis... Euh, et puis euh, bon, on vivait autrement, on vivait dans d'autres rythmes, on vivait euh, et, et aujourd'hui c'est très compliqué euh, c'est très compliqué puis par ailleurs c'est pas forcément accepté Alors, La société euh, le permet moins voilà, ou l'accepte moins oui. Avec l'historien Philippe Artier jusqu'à 13h30 auteur de, du dossier sauvage chez Vertical, on est ensemble France Culture La Grande Table Olivia Jesbert Archéologiste, évidemment un vilain mot. Vilain parce que peut-être il manque un peu d'élégance. Et puis ensuite, surtout, il est inélégant de ma part de l'avoir volé aux vrais archéologues. Et puis il y a également une raison pour laquelle je ne suis pas très satisfait de ce mot c'est que archéologie, euh, ça fait penser à une sorte d'entreprise de fouilles, euh, gratter la terre pour retrouver euh, quelque chose comme euh, les ossements du passé, un monument mort, euh, des ruines inertes. Euh, auxquels il faudrait péniblement et euh, par les moyens du bord redonner vie. L'archéologue voilà, ou l'archéologie du savoir euh, retoqué par Michel Foucault. De vraies archives dans un faux dossier, euh, le dossier sauvage Philippe Artière. Il aurait été constitué, ce dossier, par euh, Michel Foucault, l'auteur de Surveiller et punir. Le récit s'ouvre sur ce jour où son compagnon, Daniel Defer, vous remet ce paquet contenant une cinquantaine de documents des années 70. C'est un dispositif que vous avez mis en place pour ce livre, avec aussi. Peut-être, vous nous le direz, l'envie de faire revivre euh, votre maître à penser, Michel Foucault, à travers cette enquête fictive, de vous rapprocher de lui, de ses méthodes, de sa manière de penser. D'abord, c'est un acte très irrévérencieux puisque c'est une voilà, c'est au corpus déjà énorme hein, puisque désormais on a plus De 70 000 feuillets qui sont euh, conservés à la Bibliothèque nationale de France, donc euh, le corpus est immense. Et, et c'est ajouter euh, effectivement un dossier qui n'est pas de Michel Foucault, mais avec une question qu'est-ce que serait un dossier de Michel Foucault aujourd'hui euh, Alors, c'est pas euh, se prendre pour Michel Foucault, loin de là, c'est euh, plutôt euh, penser la question de l'héritage. Qui est permanente, parce que euh, le rapport à la nature, il est évidemment euh, ce rapport à, à, à l'héritage. Et comment. On, euh, quel, quel lien on entretient avec, avec la terre euh, et, et là, euh, quel lien on entretient avec, euh, avec euh, cette pensée, euh, qui est une pensée qui n'a cessé d'évoluer. De, de, Donc, euh, d'où aussi le fait que, euh, finalement, les archives de Michel Foucault, ce sont des dossiers. Euh, ce ne sont pas euh, des manuscrits inédits. Euh, bien qu'il y en ait euh, et qui seront publiés. Mais c'est plutôt euh, cette forme de sédimentation dont il parle, euh, mais une sédimentation euh, qui serait euh, active, euh, qui ne serait pas effectivement euh, ce, ce, ce tas d'ossements. Euh, mais plus plus euh, plus enfin je crois de manière euh, très forte dans, on l'entend bien dans sa voix dans quelque chose qui pourrait germer qui pourrait donner à penser et, et c'est ça moi mon, mon rapport que j'ai aux archives euh, et dont euh, enfin j'ai hérité de de Michel Perrault, d'Arlette Farge euh, et de bien d'autres, euh, pour ne citer que quelques, -unes, euh, quelques historiennes qui ont été importantes et qui sont importantes. Mais euh, euh, c'est ça. Et puis, c'est aussi euh, des archives euh, comme lieu de la fiction. Parce que euh, pour, euh, pour, pour toute personne qui, euh, qui, à un moment donné, se retrouve devant. Euh, devant euh, des archives, qu'elles soient conservées aux Archives nationales ou qu'elles soient conservées dans une famille, ça m'est arrivé euh, pour, euh, pour euh, le cas d'un philo, autre philosophe, mais celui-là jésuite, et euh, eh bien euh, ça donne évidemment énormément, euh, non seulement euh, à rêver mais à penser à euh, et c'est toute la question et c'est comment on s'approprie ça comment on se les approprie qu'est-ce qu'on en fait comment on les art comment on les classe comment on les ordonne euh, et une voilà Foucault, parce que c'était ça c'était ça, bon. ça l'archifiction c'était des documents euh souvent vrai, enfin vrai, en général, et c'était dans l'engendrement dans la manière d'articuler le récit que résidait la, la part de fiction. Hein. on découvre à la fin de votre dossier sauvage que, que ce dossier ne vous a pas... n'était pas vraiment de foucault. donc vous vous jouez une fois encore aussi avec, avec cette matière entre, entre le vrai du faux pour raconter un, un rapport aussi de l'historien à l'archive. vous avez cette formule qui est assez belle, historien foucaldien. il est à la fois monteur et montreur, d'archives. Hein. C'est comme ça que vous considérez votre rôle euh, Oui, oui, euh, oui, je crois que c'est simplement, enfin, euh, c'est simplement, ce serait, non, c'est pas simple, mais disons que euh, c'est comment euh, faire en sorte euh, de produire des intelligibilités à partir de ces traces là. Euh, et des intelligibilités qui ne pas, euh, qui ne cèdent pas euh, à des modes, qui ne cèdent pas à euh, euh, probablement aussi à une esthétique, parce qu'il y a une esthétique des archives euh, qui peut euh, de la trace, de, euh, de l'éphémère, de, de tout ça. On peut, on peut gloser beaucoup sur tout cela. Mais ce qui m'a me, me, frappé dans ces, euh, dans ces vies, encore une fois, euh, écrites, euh, c'est ce que Foucault appelait aussi de pures existences graphiques. C'est l'extrême saillance, on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des archives qui, quand on les, quand on les ouvre, elles, 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 elles éclatent. Elles, elles, elles explosent, elles parlent. Ça, c'est aussi ce que disait Arlette Farge, euh, l'invention d'un langage qui saisisse les voitures et les écrits noyés en les portant comme autant d'interlocuteurs de notre présent. Philippe Artier, le dossier sauvage, vient de paraître chez Vertical. Merci beaucoup à vous. Merci. Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe oui. Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des Idées, à la Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Blanchard avec et haut Gomard, très bel après-midi sur France Culture.